J'avais décidé de passer un peu de temps à l'écart de chez moi pour me mettre dans une nouvelle ambiance pour pouvoir écrire mon livre. Je me suis alors rendu dans un hôtel dans une ville à quelques kilomètres de chez moi. Cet hôtel coûtait cher, mais à raison. Les chambres avaient beaucoup d'espace, il y avait un petit salon avant la chambre, et tout l'espace pour travailler, c'était vraiment un bel hôtel. J'avais installé mon ordinateur dans un coin, l'ambiance était chaleureuse et agréable. Je pouvais travailler sans craindre qu'on me dérange dans ces circonstances. En quelques jours, j'avais été capable d'avancer comme rarement dans mon livre. Et j'en étais des plus heureux. Je n'avais pas été aussi efficace depuis des années. Les mots s'enchaînaient sans difficulté, sans que je me demande si je racontais bien, si tout ce que j'écrivais était nul ou si c'était utile. C'est alors qu'un bruit me dérangea. Ce bruit se répéta, et se répéta encore. Il venait de la chambre juste à côté. Je me levai de mon bureau, soudainement très énervé, et je m'apprêtais à aller frapper à la porte du voisin, quand le bruit se stoppa. Avant de créer des problèmes, je préférais retourner à mon bureau, profitant du retour au calme pour écrire. Je m'asseyais, et ma prose reprenait comme si de rien n'était. Je me perdais dans mes pensées, retrouvant le confort de mon monde imaginaire, quand, à nouveau, je me levais derechef et partais vers la chambre d'à côté. Je n'allais pas déranger les gens de l'hôtel pour quelque chose qui pouvait se régler avec une simple discussion. Je rejoignais le couloir, toujours suivi par le rythme de ces... Et je frappais à la porte. Les bruits se stoppèrent soudainement, mais personne ne se rendait à la porte. Je frappais à nouveau, et toujours, aucune réponse. Je commençais à m'agacer, et je commençais à m'adresser à la personne derrière la porte de manière peut-être moins polie que je l'avais prévu, questionnant l'intérêt de son existence, ou encore en l'encourageant à mettre ses mains ailleurs que sur le mur. Bref, je retournais à ma chambre avec la sensation du devoir presque accompli, mais je n'arrivais plus à rentrer dans mon histoire, j'étais bien trop énervé. La nuit arriva, et après m'être couché, les bruits reprirent, plus fort. Je m'énervais et décidai de me rendre à l'accueil. Là, je demandai qui était la personne dans la chambre 506. La personne à l'accueil me regarda bizarrement et me répondit que s'il y avait un problème, il s'en occuperait, que je n'avais pas à m'en soucier. Je lui répondais que si ce n'était pas réglé sur le champ, j'allais devenir fou et enfoncer la porte. Il m'assura qu'il n'y avait pas à s'énerver et passa par une porte derrière l'accueil, me laissant seul comme un imbécile. Je retournai à mon étage et je croisai un homme qui sortait d'une chambre. Il venait de changer une ampoule dans une salle de bain. Je lui parlai de mon problème et lui demandai s'il savait qui était dans la chambre 506. Il recula, puis se tourna vers la chambre qui se trouvait au bout du couloir. Il hésita un moment avant de me demander si les bruits étaient réguliers. Je lui expliquai plus clairement comment s'était déroulée ma journée et il resta immobile, comme s'il hésitait. Puis il déposa sa main sur mon épaule avant de me dire qu'il n'avait pas le droit de raconter ce qu'il s'apprêtait à me raconter. Un couple était venu une nuit dans l'hôtel. Ils furent installés dans la chambre 506. Seul l'homme est reparti de l'hôtel. Il avait attaché sa femme dans la chambre. Elle était bâillonnée et laissée à mourir, accrochée contre le mur. Il avait demandé à ce qu'on laisse sa femme se reposer, qu'on ne la dérange pas. Il revenait tous les jours et insistait chaque jour en repartant. Personne ne devait la déranger. Un jour, il arrêta de venir. Quand ils sont venus vérifier la chambre, elle était morte depuis plusieurs heures. La seule chose qu'elle avait pu faire avait été de demander de l'aide en tapant contre le mur. Mais la chambre à côté
était inutilisée. Et depuis, elle continue de frapper au mur. Je pense que je vais rentrer chez moi. Mais d'abord, je vais aller m'excuser.